Les gens qui ont fui la guerre, les gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de déplacés, là où ils devraient trouver refuge et se retrouver à l'abri, malheureusement, les bombes les poursuivent jusque dans leurs milliers de refuges. Donc, ils n'ont pas besoin des aides, ils n'ont pas besoin des assistances, ils ont beaucoup plus besoin de la paix et de la sécurité pour qu'ils regagnent leurs milliers. Donc, toutes les aides aujourd'hui qui sont une moquerie, une hypocrisie de la communauté internationale, nous demandons au gouvernement de s'en foutre. Le monde doit savoir que les Congolais sont victimes de leurs richesses. Ils viennent nous tuer parce qu'ils veulent piller nos ressources. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas les gagnants-gagnants, ils ne veulent pas respecter les lois de la République et ils veulent faire couler le sang des Congolais pour leurs minéraux, pour leurs richesses. Le monde doit savoir aujourd'hui que la Belgique a été construite par le pillage de la mine de l'étoile qu'on appelle Rwashi Mining. Une population innocente de victimes et de victimes. On en a très marre. Nous sommes vraiment fatigués, Le gouvernement, nous sommes fatigués, on est fatigués. C'est jusqu'à quand vous allez comprendre que Goma fait une partie de la RDC.